Eh bien, vous avez choisi d'être avec nous ce soir et nous vous en remercions grandement. Nous apprécions votre fidélité et votre désir de continuer à approfondir les Écritures, à comprendre les révélations bibliques et à être dans la dynamique de la préparation pour les événements à venir et particulièrement pour le grand événement que nous attendons tous, le retour en gloire de Jésus qui l'a promis. Je vais vous préparer une place. Et quand je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, ce soir, nous allons toujours garder cette possibilité d'être dans le livre de l'Apocalypse, puisque nous n'avons pas encore fini de voir tous les aspects des 144 000. Une seule étude n'aurait pas été suffisante, vous l'avez bien compris. Et ce soir, nous avions pensé pouvoir faire une seule étude pour clore le chapitre des 144 000. Mais ce que nous avons à dire est encore étoffé. Et samedi après-midi à 15 h, nous serons de retour pour la deuxième partie de cette étude. Donc, préparez-vous, faites des invitations pour les amis. Nous allons pouvoir terminer l'étude de ce soir, samedi après-midi, 15 h. Maintenant, nous espérons avoir un moment après l'étude, de façon à ce que vous puissiez entendre les uns et les autres dans leurs questions, dans l'affinement hein, de ces choses, la meilleure compréhension du thème en question, parce que l'étude de la parole de Dieu est un sujet, une activité plutôt assez vaste et infinie. Hein. Même pendant l'éternité, nous aurons à continuer. Voilà. Donc, nous allons très certainement utiliser les rendez-vous de ce mois de façon à pouvoir terminer complètement ce que nous avons à dire pour passer Apocalypse 8. Et les autres chapitres, puisque nous avons des choses à voir dans l'Apocalypse et qui concernent l'actualité. Alors, nous continuons à lever le voile sur l'Apocalypse et ce soir, nous avons choisi de vous parler des 144 000, la mission et les privilèges. Alors, la première question que nous voulons nous poser, voire même nous reposer ce soir, c'est pourquoi étudions-nous les prophéties? Je voudrais simplement vous rappeler que l'étude de la prophétie est nécessaire pour la connaissance de Dieu et ses révélations sur l'histoire de la grande controverse. Ça a commencé dans le ciel, ça se poursuit sur la terre et Dieu a des choses à nous dire concernant cette controverse, cette guerre qu'il y a entre les forces du bien, les forces de l'amour, entre les forces du bien et du mal, pardon, et les forces de l'amour et de la haine. Deuxièmement, l'étude des prophéties nous permet de connaître les périls qui nous entourent. Les révélations prophétiques dans la Bible sont énormes et époustouflantes. Il vous suffit de comprendre ce que Jésus a dit et que Paul a aussi a écrit dans Corinthiens, que ce que l'Ancien Testament dit a été écrit pour nous. Paul dit que ça a été écrit pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et il dit que les exemples laissés, les scénarios vécus de familles, d'individus et de rois, de combattants, tout ce que vous avez comme scénario dans l'Ancien Testament sont des scénarios qui annoncent quelque chose, qui prévoient quelque chose. Et nous pouvons ainsi, à travers le texte de l'Ancien Testament, voir Dieu nous faire des révélations extraordinaires concernant les temps actuels, les temps dans lesquels nous vivons. Connaître notre mission et révéler au monde la gloire de Dieu, ça, c'est aussi une raison pour laquelle l'étude de la prophétie ou des prophéties est importante et intéressante. Donc, comme je le disais, le scénario réel de la fin, avec l'Église du reste et son chef Jésus-Christ, est en partie anticipé par celui qui est exposé, et nous l'avons vu dans Josué 3, 4 et 5. Ces trois chapitres donnent une bonne compréhension
du passage, du grand passage du monde de cette terre au monde céleste ou aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre, puisque ces trois chapitres nous racontent l'histoire des enfants d'Israël qui quittent l'Égypte et vont entrer en Canaan. Et Dieu a joué donc le scénario de ce qui va se passer à la fin des temps avec le peuple d'Israël. Donc les exemples du peuple d'Israël, de ses combats, de ses échecs, de ses victoires, etc., sont très importants pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc la place et le rôle des groupes, des personnes au service de Dieu et de la cause rédemptrice, ce rôle-là, cette place-là est déterminée, ou elles sont déterminées à l'avance, tout au long des siècles, avec des objectifs précis. Ce qu'il faut comprendre, chers amis, c'est que Dieu a fixé des objectifs. La grande controverse ne se déroule pas comme ça au hasard. Il y a des objectifs que Dieu a fixés. Il les a fixés dans le temps. L'un des premiers objectifs que Dieu fixe, c'est celui que nous trouvons dans Genèse 3, 15. « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc Dieu a pour objectif, a eu, parce que l'objectif est déjà atteint de ce côté-là, donc écraser la tête du serpent, eh bien cet objectif-là est atteint. Atteint en grande partie, il reste encore à le poursuivre et à le mener au bout, à le terminer, puisque le diable est encore là, mais il a été terriblement fracassé, atteint par l'objectif 1 qui était de lui écraser la tête, c'est-à-dire ce qui s'est passé au calvaire où il a été vaincu par la vie de Jésus, par le sacrifice de Jésus et par la résurrection de Jésus. Il n'a jamais réussi à faire pécher le Fils de l'homme et sa victoire est notre victoire. Maintenant, un deuxième objectif, c'est donner du temps pour la révélation de la vraie nature et du caractère de Satan. Alors ça, il est important de comprendre ça parce que beaucoup de gens se disent « Mais pourquoi est-ce que, si Dieu existe, pourquoi encore nous avons tout ça ?» Tout simplement parce que Dieu a fixé un temps pour chaque chose. Et il a donné un temps. Vous vous souvenez que lorsque nous avons étudié ensemble le livre de Daniel, chapitre 8, versets 13 et verset 14, vous avez lu, nous avons lu, et vous avez le texte à l'écran. « J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le perpétuel ?» Le mot « sacrifice » a été ajouté pour une meilleure compréhension, mais cette compréhension, j'ai aussi une petite confusion. Le mot, c'est « perpétuel » dans l'original. Donc, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le perpétuel et sur le péché dévastateur ?» Et jusque à quand le sanctuaire, c'est-à-dire le peuple de Dieu, le sanctuaire c'est le peuple de Dieu, le sanctuaire c'est l'endroit où on adore Dieu, et l'Église, l'armée ou l'armée du ciel foulée par Satan, puisque vous savez que Satan s'est révolté contre l'armée du ciel, pardon, et il a entraîné des quantités d'anges avec lui et il continue à se battre contre les anges qui sont restés fidèles. Alors la question est posée, tout cela va durer combien de temps encore? Et Dieu répond, l'ange qui accompagne Daniel répond à la question, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Donc nous comprenons par là que 4000 ans avant la venue de Jésus, nous parlons de sa première venue, puisque Jésus est venu 4000 ans après la création d'Adam et d'Ève, 4000 ans après, quand vous ajoutez à cela le temps restant, puisque vous faites le calcul, hein, vous arrivez en l'an 34, après que le temps qui a été imparti pour les Juifs soit terminé, il reste 1810 années. Et on arrive ainsi à 5844, en gros 5800 ans. Donc Dieu, avant que le péché soit détruit, avant que le sanctuaire soit purifié, avant que le chef dévastateur et qui perpétuellement fait le mal sur la terre, avant que le sacrifice
perpétuel, ce qui est offert en faveur du pécheur continuellement, la grâce et le sacrifice disponibles continuellement pour le salut des hommes, avant que tout cela se termine, dit Jésus, et parlant à Daniel, lui dit maintenant, il reste 2300 jours ou 2300 années. Et l'étude que nous avions faite de cette prophétie de Daniel chapitre 8, 14 nous montre que 457 est l'année de démarrage de ce temps, cette longue prophétie, n'est-ce pas? 457, 1844, fin de cette longue période. Donc, c'est à partir de cette année-là que Jésus passe de son ministère premier dans le lieu saint à son ministère second dans le lieu très saint dans le ciel. Donc, Jésus s'est avancé vers l'ancien des jours pour commencer, selon Daniel chapitre 7, versets 13 et 14, et selon Daniel chapitre 9. Nous avons déjà étudié tout ça, n'est-ce pas? Vous voyez la vidéo sur l'étude de Daniel chapitre 7. Donc, nous comprenons bien que à partir de 1844, il va se passer des choses extraordinaires sur la terre et qui nous concernent et que nous devons comprendre. D'où la nécessité de continuer fidèlement à étudier et comprendre comment s'accomplissent les choses actuellement et ce qui a été prévu ou encore qui a été déjà révélé par notre Dieu à travers les prophéties. 457 à l'an 34, vous avez le temps des Juifs. 2300 soirs et matins, il y a d'abord eu une période réservée pour la nation juive, la nation qui était une nation théocratique dirigée par Dieu. N'est-ce pas? Dieu leur donne encore cette possibilité de reconnaître ce qu'il veut faire pour eux, particulièrement de reconnaître la venue de Jésus, son fils, comme le Messie promis. Malheureusement, ils l'ont rejeté, ils ne l'ont pas reconnu. Finalement, ils l'ont crucifié. Et ceux qui l'avaient laissé pour continuer à propager son nom ont eux aussi été persécutés. La lapidation d'Étienne comme disciple de Jésus a mis fin à ce privilège particulier qu'avaient les Juifs d'être le peuple spécial de Dieu envoyé pour transmettre les oracles de Dieu au monde. Jésus dit aux Juifs, « Votre maison vous sera laissée déserte. » Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une mère poule rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. Donc, votre maison vous sera laissée déserte. Donc, à partir de cette période-là, cette année-là en particulier, eh bien, Dieu ne considère plus les Juifs comme son peuple particulier, mais il se tourne vers les païens et vers les Juifs qui vont devenir maintenant disciples de Jésus de façon à continuer à proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle au monde entier, à faire connaître ses oracles à tous ceux qui le veulent. Et puis, on peut dire donc que le temps des païens ou des gentils est de 34 à 1844. Donc 457 à 34, temps des juifs. 34 à 1844, temps des païens ou des gentils, c'est-à-dire Dieu se tourne vers les nations païennes, les nations qui ne connaissent pas la loi de Dieu. Et enfin, à partir de 1844, vous avez ce que le Nouveau Testament appelle le temps des vierges, le temps des serviteurs ou encore le temps du jugement. Le jugement, le temps des vierges, le temps des serviteurs a commencé à partir du 1844 et va s'achever avec le grand retour de Jésus-Christ. Chers amis, vous avez donc un objectif pendant ce temps que Dieu laisse à l'humanité, particulièrement au diable, pour faire la démonstration de son caractère. Dans la dernière partie du temps restant, c'est-à-dire de 1844 à la fin, Dieu va utiliser ce temps-là en particulier pour la révélation de son caractère, de sa gloire, la gloire du Père, la gloire du Fils, l'agneau de Dieu. Et voilà pourquoi Apocalypse 14, versets 1 et 7 déclare « Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu
et donnez-lui gloire. Donc, vous voyez que là, à partir du moment où Dieu annonce l'heure de son jugement, l'heure est aussi à la crainte de Dieu, l'heure est aussi à donner gloire à Dieu, et le caractère de Dieu va être ainsi révélé dans le monde, le nom de Dieu sera révélé dans le monde, le peuple de Dieu sera révélé dans le monde, et le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau vont être reconnues non pas comme des objets de l'évolution, mais des choses qu'une main divine, une intelligence infinie a créées et a placées pour notre plus grand bonheur. Rien dans la guerre entre les forces du bien et du mal n'a été laissé au hasard. Rien n'a été laissé à l'improvisation ou au jeu des forces du bien, du mal, des courants contraires. Dieu a tout calculé, il a tout planifié, et pour que nous ne soyons pas en dehors du calcul et en dehors du plan, il nous a donné les prophéties pour que nous nous réjouissions en les lisant et en les comprenant. Vous comprenez pourquoi Jésus dit aux disciples, « Je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit parfaite. » L'Écriture dit, et commençant par Moïse et par les prophètes, les psaumes, les écrits des prophètes et les Malachie, Esaïe et tous les prophètes, Jésus leur a expliqué dans les Écritures ce qui le concernait. C'est la même chose que nous devons faire aujourd'hui, essayant de comprendre à travers les récits bibliques comment Jésus nous révèle, se révèle et nous révèle les choses cachées. Dans nos prochaines séries, nous allons venir sur le fait d'une nouvelle approche de la, et nouvelle lecture de la Bible, comment lire la Bible autrement. Ça va être une série que nous allons pouvoir lancer bientôt. Quels sont les moyens que nous avons pour que la lecture de la Bible devienne une vraie révélation, une vraie communication de Dieu avec nous en tant que personne et en tant que peuple, pour que nous ne soyons pas simplement sur des connaissances théologiques et morales, n'est-ce pas, faire ceci ou faire cela, mais que nous soyons vraiment en symbiose avec Jésus dans la gestion du temps et que nous participions avec lui. Alors, quelle est l'une des choses que Dieu a prévues selon Apocalypse 14, versets 1 et 2, Apocalypse 15, versets 1 et 2 aussi. Alors, c'est là que nous allons donner l'opportunité à ceux qui se sont rendu volontaire pour nous lire. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front, comme un bruit de grosses eaux. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis étaient comme des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, sept anges qui tenaient sept fléaux. Le dernier, par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Alors, merci. Remarquez la dernière partie du texte à l'écran, le verset 2. « Je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient fait quoi ? Vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. » D'accord ? Donc, vous avez noté qu'il y a des personnes qui ont des harpes. Regardez maintenant le premier texte qui a été lu, toujours le deuxième verset. À la fin du deuxième, il est dit, concernant ces personnes, les 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom du Père écrit sur le front, il dit, j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit de grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et au texte suivant, on dit que ce sont les 144 000 qui avaient ces harpes, puisque il est dit
les sept fléaux, sept anges les tiennent, n'est-ce pas? Ils doivent s'accomplir sur la terre, mais on leur dit d'attendre jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient marqués du sceau. Et ensuite, j'envoie sur la mer de verre, c'est-à-dire le grand espace qui est devant Dieu et qui ressemble à une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom. Okay? Donc, nous avons identifié ceux qui ont vaincu la bête, nous avons identifié ceux qui ont des harpes et qui jouent de leur harpe, ce sont les 144 000. Maintenant, ce que nous pouvons conclure que Dieu nous a donné comme prévision, c'est qu'une armée qui est celle qui va précéder l'Israël dans sa marche vers la Canaan céleste va être mise en place pour combattre contre la bête qui monte de la mer et de la terre. Cette bête qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 13. La prophétie donc prévoit que c'est cette armée-là qui sera utilisée par Jésus pour gagner le combat, pour vaincre. Donc les 144 000 constituent une armée que Dieu lève maintenant depuis 1844. Jésus est en train de lever une armée de personnes qui sera capable ou qui seront capables, si on parle des personnes, capables de vaincre. Vaincre la bête, vaincre l'image de la bête, vaincre le faux prophète, vaincre le nombre et le nom de la bête. Donc, parler des 144 000, c'est parler d'une armée. Une armée des combattants, de ceux qui sont au service du chef Michaël, le grand chef, le défenseur du peuple de Dieu. Comment l'Apocalypse décrit-elle l'armée du Seigneur dans le livre chapitre 17, verset 14? Lisons maintenant ce texte de l'Apocalypse, chapitre 17, verset 14. Il combattit contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Voilà, merci. Donc, la bête, son image, le nombre de son nom, tout cela sera vaincu. Ils seront vaincus parce que l'agneau est à la tête de son armée, et cette armée est composée d'appelés, d'élus, de fidèles qui sont avec Jésus. Donc, je vous ai dit que depuis 1844, Jésus appelle, il reçoit ceux qui ont été élus, il reçoit ceux qui ont été fidèles, et il les prépare pour le combat final avant de leur dire, eh bien, c'est bien bon et fidèle serviteur. Maintenant, samedi prochain, nous allons voir comment cette victoire se construit dans la réalité. Et nous allons voir quelle est la différence entre les appelés, les élus et les fidèles. Quelles sont les missions et aussi les privilèges. Ce soir, nous allons commencer à parler de ces missions. Nous parlerons plus particulièrement des privilèges samedi prochain. Maintenant, quelle déduction peut-on faire de ce chapitre 17, verset 14? Tout simplement celle-ci. Nous sommes à la veille de cette grande bataille finale pour la victoire sur la bête, son image, le nombre de son nom. La bête et son image sont les armées du dragon, c'est-à-dire du diable. Vous avez le choix entre deux armées qui s'affrontent. Et chacun doit choisir de s'engager dans cette armée comme soldat ou dans l'une de ces armées comme soldat. Vous serez soit soldat du dragon, soit soldat du Christ. L'armée des 144 000 et l'armée des 666. Voilà les deux armées qui vont être en confrontation, en guerre, en conflit, en cette fin des temps. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers amis, il n'y a pas trois armées, il n'y en a que deux camps.
La question est, dans quel camp, dans quelle armée voulez-vous être recruté? Maintenant, quel autre élément fait partie de la stratégie de victoire et qui identifie les 144 000 et qui leur permet de mieux connaître leur mission, mais aussi leurs privilèges? Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et ne serons plus dans l'opprobre. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. L'Éternel avait résolu de détruire les murs de la fille de Sion. Il a tendu le cordeau, il n'a pas retiré sa main sans les avoir anéantis. Il a plongé dans le deuil, remparts et murailles qui n'offrent plus ensemble qu'une triste ruine. Voilà, merci. Alors, donc, que se souviennent que les enfants d'Israël sont partis en captivité. Les murailles de Jérusalem ont été détruites. Nébuchadnezzar est venu avec son armée. Il a brûlé, il a détruit, il a fracassé, il a saccagé, il a tué, il a emmené captif. Dieu n'est pas intervenu. Au contraire, Dieu leur avait déjà dit que si vous restez dans l'infidélité, si vous continuez à adorer les idoles, si vous continuez dans les abominations, c'est ce qui va vous arriver. Et comme Israël n'a pas écouté la voix de Dieu, ceux de Sion, comme ceux d'Israël, ont été frappés, emmenés captifs. Le malheur les a atteints. Mais vous réalisez que dans les deux textes, il y a un symbolisme. Lorsqu'ils sont revenus, Néhémie parle de rebâtir la muraille de Jérusalem pour ne plus être dans l'opprobre. Ainsi, chers amis, nous comprenons que la ville de Jérusalem, après être restée en ruine pendant les 70 ans de captivité, que lui manquait-elle pour retrouver sa dignité? Au septième millénaire, de quoi a besoin la nouvelle Jérusalem, l'Israël de Dieu, pour ne plus être dans l'opprobre, opprimé? Eh bien, ces deux textes que nous avons lus nous donne de comprendre qu'il faut considérer la construction de la nouvelle Jérusalem et de sa muraille pour que la ville soit en sécurité, pour que la ville ne soit pas une ville perdue. La reconstruction de la muraille est indispensable. Une muraille solide, infranchissable. Et Dieu parle de reconstruction de murailles ou encore de mise en place d'une armée dont il va se servir pour faire rempart contre les ennemis et protéger Israël. Maintenant, est-ce étonnant que lorsque nous lisons Apocalypse, chapitre 21, nous lisons que au verset 17 et au verset 16, au verset 16 et 17, nous lisons que la surface de la ville était de 12 000 stades et le carré de la ville avait des côtés de 144 coudées. 12 000 et 144, est-ce que cela ne vous rappelle pas un chiffre ou des chiffres utilisés pour désigner les serviteurs de Dieu qui seront marqués du sceau? N'avez-vous pas lu avec moi-même ou personnellement dans votre Bible qu'il y a 12 000, 12 000, 12 000, 12 000 qui sont sélectionnés pour appartenir aux 144 000? Donc, 144 est un chiffre commun à la muraille, mais aussi au peuple qui est sélectionné. 144 000 comme 144 coudées. Donc, nous aurons l'occasion, lorsque nous arriverons à l'étude du chapitre 21 d'Apocalypse, de bien comprendre la relation qu'il y a entre la ville et la muraille. La ville et la muraille. Mais comprenez déjà que Dieu a besoin de construire une muraille de protection autour de son peuple, un rempart de protection. Et c'est ce que Jésus s'attache à faire depuis 1844, la muraille. Comment Dieu a-t-il prévu de remporter la victoire sur ses ennemis qui oppriment son peuple et se lèvent contre lui? Regardez un texte biblique particulièrement intéressant
que nous avons dans les Psaumes. Nous allons prendre Psaume 83, versets 2 à 5. J'ai oublié de mettre le texte dans le diaporama, apparemment, puisqu'il n'est pas là. Donc, si vous avez vos Bibles, votre Bible avec vous, donc vous allez nous lire Psaume 83, versets 2 à 5. Donc, c'est l'occasion pour tous ceux qui ont leur Bible de l'ouvrir, le mal pour un bien. Comme ça, on ouvrira la Bible directement et nous aurons le texte sous les yeux. Alors, qui est-ce qui nous lit? « Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. » 5. « Car voici, tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre eux que tu protèges. Venez, dit-il, exterminons-les du milieu des nations. » Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Avant de lire la suite, faisons certaines remarques. Soulignons certains aspects du texte. Vous voyez bien qu'il est marqué au verset 3, « Ennemis, tes ennemis ». Au verset 2, il est dit à Dieu, ou la prière d'Azaph, le psaume d'Azaph s'adresse à Dieu. Il dit « Oh Dieu, ne reste pas dans le silence ». Ne te tais pas et ne te repose pas, car voici tes ennemis. Donc, Dieu a des ennemis sur la terre. Et ces ennemis-là, que font-ils? Ils s'agitent, ils haïssent Dieu, ils n'aiment pas Dieu, ils forment des complots contre le peuple, avec beaucoup de ruses, ils délibèrent contre ceux que Dieu protège. Ils veulent exterminer les enfants de Dieu du milieu des nations. Ils veulent faire disparaître le peuple de Dieu sur la terre. Maintenant, nous qui avons une petite connaissance de la prophétie, nous savons bien que c'est l'objectif de Satan de tuer, de détruire le peuple de Dieu. Nous reviendrons à cela. Maintenant, lisons versets 10 à 13. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin au torrent de Kisson. Ils ont été détruits en Endor, ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Oreb et Zib, et tous leurs princes comme Zébac et Salmun. Car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent. Merci. Alors vous constatez, chers amis, ici, que la demande qui est faite à Dieu, c'est de traiter les ennemis de Dieu, ceux qui en veulent à Dieu et à son peuple, comme Madian a été traité. Et si vous lisez dans le livre Juges, dans l'Ancien Testament, voilà pourquoi j'insiste pour vous dire que ce qui va arriver à la fin des temps a déjà été en scénario joué avant. Donc, plus on connaît les histoires de l'Ancien Testament, plus on est à même de reconnaître les scénarios qui se jouent aujourd'hui. Dieu nous fait savoir par ce texte qu'il va traiter les nations, les ennemis qui se soulèvent contre lui et son peuple, comme il a traité le peuple de Madian. Et vous allez, en lisant le texte de Madian, retrouver Oreb et Zib, chefs de guerre madianites qui furent tués, décapités. Désolé pour la faute, là, c'est l'appareil qui a mis n'importe quoi, mais bon, on va réaliser. Lisez Jude 7, verset 25. Zébac et Psalmuna, trois madianites vaincus par Gédéon. Donc, Juge 8, verset 12. Madian vaincu par les 300 soldats de Gédéon. Le roi Jabin, cananéen, et Sisera, son chef d'armée, vaincu malgré leurs 900 chars de fer. Donc, c'est chars, hein, pas chars. Leurs 900 chars de fer. Juge chapitre 4. Donc, mes amis, ces personnes, ennemies du peuple de Dieu, ont été traitées par Dieu. Mais Jésus nous dit, vous voyez, mes amis, vous êtes en train de lire l'Ancien Testament. Je parle de moi. Et dans ce texte, je suis en train de vous dire, en tant que Dieu, que j'agirai
dans mon temps, c'est-à-dire les derniers temps, contre ceux qui oppriment mon peuple, qui détestent mon peuple, qui rusent contre mon peuple et qui me détestent, comme j'ai fait à Madian, ainsi je leur ferai. Quel est vraiment ce qu'il y a de plus important aujourd'hui à comprendre? Lisons ensemble ce texte biblique. Apocalypse 13, versets 16 et 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains, droites ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voilà, donc nous sommes en train de rapidement devenir vers un temps où ceux qui ne voudront pas faire comme le système qui sera mis en place voudra, eh bien ceux-là ne pourront ni acheter ni vendre. Parce qu'il leur faudra, pour pouvoir acheter ou vendre, commercer, avoir leur boutique, avoir leur commerce, acheter même en tant que simple client, il leur faudra avoir la marque, le nom ou le nombre de la bête. Donc, nous comprenons par ce texte que Dieu nous dit qu'il y a quelque chose de très important que vous allez devoir retenir ici, chers amis. L'actualité, c'est un groupe de gens qui doivent être préparés pour se tenir debout avec Jésus. Écoutons bien, il faut un groupe de gens préparés pour se tenir debout avec Jésus. Michaël, qui s'est levé d'ailleurs. Dans un monde où tous ceux qui refuseront d'adorer l'image de la bête, de recevoir la marque de la bête, de porter le nom de la bête ou le nombre de son nom, tous ceux-là seront poursuivis, persécutés, voire menacés de mort. Et c'est ce que nous avons lu dans le psaume que nous avions sous les yeux tout à l'heure. Qu'est-ce que les ennemis de Dieu font? Ils détestent Dieu et son peuple. Ils forment contre le peuple de Dieu des projets pleins de ruses. Ils délibèrent contre eux. Ils veulent exterminer du milieu des nations le peuple de Dieu. Qu'on ne se souvienne plus de ces gens-là. Voilà ce qu'ils veulent faire. C'est ce que la prophétie biblique nous dit. Donc, il faut un peuple de gens qui aient compris cela et qui vont se tenir, des gens qui vont se tenir du côté de Jésus, qui vont s'inscrire dans l'armée de Jésus de façon à combattre contre ceux qui sont représentés par la bête, son image, sa marque, son nom, le nombre de son nom. Il faut un peuple qui se lève avec Jésus contre ça. Dans notre étude prochaine du chapitre 13 d'Apocalypse, eh bien, nous allons pouvoir faire le calcul du nombre de la bête. Mais ce qu'il faut retenir, chers amis, c'est que ceux qui n'iront pas dans le sens des gouvernements qui vont s'allier avec le pouvoir du dragon et de la bête à qui il donne son pouvoir, c'est-à-dire de l'organisation politico-religieuse à qui il donne son pouvoir, eh bien, tous ceux qui ne voudront pas s'associer, et ceux-là seront persécutés. Parce que Apocalypse 13, verset 15 dit, « Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. » Tués. Donc la mort menace ceux qui ne voudront pas adorer l'image de la bête. Donc, qui seul peut s'opposer au pouvoir du dragon? Qui seul peut s'opposer au pouvoir de la bête et du faux prophète? Et comment sont-ils décrits? Lisons ce qui suit. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés.
Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un second ange suivit en disant, « elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont ni repos, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Alors, je vous disais donc que ce qu'il faut retenir et qui est très important à souligner, aujourd'hui, alors que nous approchons la finale, ou le final, en plus de la révélation de la gloire du Père et du Fils, c'est la mission que Jésus veut partager avec les 144 000. Vaincre la bête, vaincre l'image de la bête, vaincre le nombre de son nom, vaincre la marque de la bête, le nom de la bête. Nous sommes donc en guerre. Et M. Macron a raison de le dire. Nous sommes en guerre. Et cette expression qu'il a utilisée révèle plus qu'une guerre bactériologique, une guerre conventionnelle entre deux armées, la Russie et l'Ukraine, une guerre qui est plus que ce que nous voyons, mais une guerre dans l'invisible, une guerre spirituelle. Dans une prochaine étude, nous allons donc, comme je vous le disais, découvrir davantage le sens de ces expressions, la bête, l'image de la bête, le nom de la bête, la marque de la bête, le nombre de son nom. Nous allons revenir sur ça. Mais tout ce que vous devez retenir maintenant, c'est que ces expressions nomment les ennemis de Dieu, c'est-à-dire le diable, ses anges, les systèmes humains mis en place pour servir la cause du diable, donc du dragon. Maintenant, le seul groupe qui sera à même de pouvoir s'opposer aux armées sataniques, aux systèmes mis en place, aux ennemis de Jésus dans ces derniers temps de détresse, ce sont les 144 000, ou c'est le groupe des 144 000. Et dans Daniel chapitre 12, versets 1, 3 et 10 que nous avons déjà lu, dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 13 que nous aurons l'occasion de consulter encore, eh bien nous avons là le pourquoi et le comment. Dieu a besoin d'un peuple spécifique, préparé particulièrement pour le combat final. Et depuis 1844, il prépare ce peuple-là. Avec sa parole, avec la révélation de sa loi, avec la révélation de la réforme sanitaire, avec la révélation de l'organisation pour la fidélité à Dieu, avec tout ce que Dieu a donné à son peuple, à son Église, depuis l'ouverture du lieu très saint, ce sont des choses qui sont destinées à préparer l'esprit du peuple, l'humilité du peuple, la fidélité du peuple. Beaucoup trouvent ça dépassé ou encore c'était pour les enfants d'Israël, ça n'a plus sa raison d'être. Beaucoup sont en train de combattre le sanctuaire, combattre le Saint-Esprit, combattre la loi, combattre. Et toutes ces choses pour eux, non, ces choses-là sont employées dans la pédagogie divine pour un résultat qui est la fidélité, l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, etc., etc. Donc, même si ces choses-là nous semblent peser sur nous comme une loi,
elles n'ont pas vocation à nous rendre esclaves, mais au contraire, à nous faire prendre des habitudes qui nous seront utiles dans le dernier combat et pour l'éternité. Les 144 000 peuvent être ce peuple bien préparé parce qu'ils suivent scrupuleusement les consignes du général d'armée Michaël, défenseur du peuple de Dieu, selon Daniel chapitre 12. Ces gens-là ont dans la tête et dans la bouche l'annonce des vérités de l'évangile éternel en trois dimensions. Dimension 1, ils possèdent la vérité sur la crainte, la gloire, le jugement, l'adoration du Dieu créateur qui va être révélée, vérité qui va être révélée à tous les habitants de la terre. La deuxième dimension, c'est qu'ils possèdent toute la vérité sur Babylone qui sera révélée de sorte que cette dernière ne puisse plus, en toute impunité, faire boire aux habitants de la terre son vin du mensonge, mensonger. Malheureusement, malgré la proclamation de la vérité, beaucoup seront perdus car ils vont la refuser. Troisième dimension, les 144 000 possèdent toute la vérité sur la bête, sur l'image de la bête, sur la marque de la bête, sur le nombre de son nom. Et cette vérité va être annoncée, enseignée, pour que chacun puisse faire un choix libre et éclairé. Vous avez noté que dans le texte de Daniel qui nous a été lu tout à l'heure, il est dit que ceux qui seront intelligents, qu'est-ce qui va leur arriver? Regardez Daniel chapitre 12, si vous avez la Bible devant vous, j'espère. Au verset 3, il est dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice et à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alors, il faut que vous sachiez qu'il y a ici deux groupes mentionnés. Le groupe des intelligents qui vont briller comme la splendeur du ciel et un autre groupe, lequel? Ceux qui auront enseigné. Ceux-là ne vont pas, il n'est pas dit vont briller comme la splendeur du ciel, mais vont briller comme quoi? Comme les étoiles. Et ceci est intéressant à étudier. Et le chapitre 12 nous attend pour une belle étude encore. Donc, les 144 000, à la fin, font partie ou désignent globalement à la fois ceux qui sont intelligents et à la fois ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, puisqu'ils ont trois messages qu'ils proclament et qui permettent cet enseignement-là. Ceux-ci sont donc irréprochables dans leur vécu avec le Christ, leur chef, irréprochables dans l'observation de la loi de Dieu, irréprochables quant au caractère du Christ reproduit en eux. Ils brillent et permettent ainsi à la terre d'être illuminé de cette lumière du Christ, qui a dit d'ailleurs à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Chers amis, chers auditeurs, j'aimerais que vous souligniez, très important, que Daniel, le prophète Daniel, qui a vécu à Babylone, Daniel est le type de résistant, le type du 144 millions, permettez-moi cette expression inventée. Si quelqu'un veut faire partie des 144 000, il n'a qu'à suivre l'exemple donné par Daniel vivant à Babylone. Daniel a été éprouvé par son style de vie, ou par rapport à son style de vie et de la santé. Il a vaincu. Daniel a été éprouvé par rapport à sa religion et à l'adoration. Il a vaincu. Daniel a été éprouvé en étant jeté dans la fosse au lion, décret de mort contre lui, il a vaincu. Donc, vous voulez être parmi les victorieux? Suivez l'exemple de Daniel. Lisez le livre de Daniel et comprenez quel exemple Daniel nous a laissé parce qu'il est le type, l'archétype même de ceux qui devront vivre à la fin de temps dans Babylone. Daniel a-t-il tenu bon? Oui. Donc, connaître la prophétie est important, mais le plus important, c'est de développer un style de vie
de nous occuper de notre santé, de pratiquer les lois de la santé spirituelle, la santé mentale, la santé physique. Et c'est cette pratique-là qui nous prépare à traverser le temps d'épreuve avec fidélité. La guerre est une guerre spirituelle, avons-nous dit. Esprit contre esprit. Satan veut posséder l'esprit des hommes et il va tout mettre en place pour pouvoir posséder l'esprit des hommes. Et l'intelligence artificielle est l'une des armes que le diable va utiliser pour posséder l'esprit des êtres humains. Puis il va utiliser encore d'autres moyens. Le Forum économique mondial a déclaré que les hommes vont devenir des machines, des objets. Il faut qu'ils soient des éléments ou des instruments connectés. Le corps va devenir un espace informatique, électronique, comme vous voulez, un espace qui pourra communiquer avec les ordinateurs. Voilà la perspective dans la tête de ces messieurs qui cherchent à faire le Great Reset, la grande réinitialisation, parce que dans la tête de ces hommes-là, eh bien, il faut rendre l'humanité immortelle. Et pour la rendre immortelle, il faut que chacun soit transformé en objet, parce qu'il n'y a que les objets qui sont immortels. C'est ce que avait dit cet écrivain que vous avez connaissez bien, Jacques Attali, qui a écrit sur l'avenir de l'humanité. Et l'immortel, aucun être humain ne peut être immortel, mais si vous les transformez en objet, alors ils le seront. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de transformer nos organes en des organes artificiels. Donc, on va pouvoir être transformé complètement. Vous avez vu qu'on invente maintenant les humanoïdes. Vous voyez comment ils font fonctionner maintenant les humanoïdes ? Eh bien, les humanoïdes sont déjà une première étape vers ce vers quoi l'on va. Donc, mes amis, Dieu ne laissera pas faire tout ça naturellement, vous comprenez bien. Mais vous comprenez aussi qu'il va y avoir combat contre Satan et Satan contre Dieu pour pouvoir posséder l'esprit des hommes et transformer les êtres humains à son image. Je veux dire, soit l'image de Dieu, soit à l'image du diable. Donc, que faire dans ce monde en tant qu'être humain? Car nous sommes là comme des victimes de ce qui est arrivé. Mais Jésus a été envoyé pour que nous ne soyons plus des victimes, mais des êtres victorieux. Donc, nous avons tous la capacité de vaincre le diable, de vaincre ses démons, de vaincre leurs projets. Et Michaël se tient puissamment à notre tête. La spiritualité ou la piété doivent se cultiver avec de gros efforts. Daniel l'a fait tous les jours. Il était dans ses temps forts spirituels, matin, midi, soir. On a voulu l'en empêcher. On l'a jeté dans la fosse au lion. Mais Daniel savait qu'il avait besoin de ces moments avec Dieu, seul à seul avec lui, tourné vers le ciel. À l'époque, il se tournait vers là où était le sanctuaire de Dieu, la Jérusalem. Nous avons besoin de nous tourner vers le ciel et d'avoir cette communion intime, personnelle avec eux, de le connaître. Relisez Osée chapitre 6. Vous allez voir ce que Dieu nous dit. Regardez ce qui est écrit. Osée 6. On termine avec ce texte. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il l'a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Alors, arrête-toi un moment, juste avant de lire la suite. Regardez bien ce qui est dit pour ne pas oublier. Venez, retournons. Donc, c'est un appel que Dieu nous lance ce soir. Retournons à l'Éternel.
même si nous avons subi depuis déjà des millénaires des choses terribles, une souffrance sans borne, sans limite, des choses indescriptibles, Dieu dit, vous avez été déchirés, mais je vous guérirai. Vous avez été frappés, mais je vais bander vos plaies. Donc, nous avons à mettre notre confiance en Dieu. Il dit, je vais vous rendre la vie. Dans combien de temps? Dans 2 jours. Le 3e jour, vous allez être relevé. Mes chers amis, soulignez que là, c'est une prophétie extraordinaire. Vous vous souvenez que 4000 ans après la naissance d'Adam, Jésus est venu. Vous vous souvenez donc que 4000 ans, c'est 4 jours, puisque 1 jour, c'est comme 1000 ans. Donc, il reste 3 jours, 3000 ans. Pierre nous dit bien, mes amis, Dieu use de patience. Pourquoi on a l'impression que ça dure, ça dure, ça dure? Parce que tout simplement, pour Dieu, 1 jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme 1 jour. Donc, 4 jours, Jésus est arrivé et nous dit maintenant, Paul nous dit, il nous a parlé par le Fils dans les derniers temps. Donc, les derniers temps qui restent, c'est les 3 autres jours. Et comme un jour, c'est 1000 ans, nous avons déjà passé 2000 ans, nous sommes maintenant au 3e millénaire. C'est le millénaire de la relève. C'est le millénaire du relèvement. C'est le millénaire prévu pour que nous puissions vivre devant Dieu. C'est le millénaire qui verra la venue certaine du Seigneur. Donc, le texte dit, connaissons, cherchons à connaître Dieu. Voilà le programme pour les 144 000. Ils cherchent à connaître Dieu. Ils veulent le connaître intimement et personnellement. Chaque croyant doit se dire, je dois connaître mon Dieu. Je ne veux pas que ce soit le pasteur qui connaisse Dieu pour moi. Je ne veux pas que ce soit les moniteurs ou les anciens qui me parlent de Dieu. Moi, je veux le connaître. Je vais prendre le temps de lire la Bible, de lire sa parole, jusqu'à ce que j'en ai une connaissance personnelle. Et c'est dans cette démarche-là que Dieu sera capable, à même de nous faire jouir de la pluie du printemps qui arrose la terre, la pluie de l'arrière-saison, le Saint-Esprit. On lit la suite. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Judas? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière. Voilà. Alors, notez ici que Dieu parle à 2 catégories de personnes. Éphraïm et Judas. Et il leur dit, vous avez été frappés parce que tout simplement votre piété était comme la nuée du matin, c'est-à-dire la rosée du matin. Un moment, et puis ça disparaît. Vous n'êtes pas constant dans votre piété. Dans votre pratique de piété, vous êtes trop inconstant. La piété ne peut pas se construire, se cultiver dans l'inconstance. Il faut régulièrement la pratiquer. Les prophètes ont été frappés parce qu'ils étaient ainsi. Les jugements ont éclaté sur vous parce qu'il en était ainsi, parce que puisque vous n'aviez pas de piété, il vous était impossible de connaître mes voies et vous avez suivi les vôtres et il en est résulté ceci. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Judas? Je t'ai frappé, mais je vais te guérir, je vais te relever. Si du moins tu reconnais la voie de la repentance, la voie du retour, et tu reviens de tout ton cœur à l'Éternel. Parce que, et voici le dernier texte. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Voilà. Dieu nous dit, voilà ce que j'aime. Vous savez, notre relation d'amour sera belle. Si vous êtes des gens pieux, vous n'êtes pas là simplement pour faire des sacrifices. Je me sacrifie pour observer le sabbat. Je perds mon travail s'il le faut pour observer mon sabbat. Je me sacrifie pour manger correctement parce que bon, si je ne fais pas ça, eh bien, ça ne va pas aller. Je me sacrifie pour ci, pour ça. Mais
Est-ce que dans tout cela, je connais Dieu véritablement? Dieu dit, la connaissance de Dieu est plus que les holocaustes, plus que les sacrifices. Les sacrifices sont nécessaires. Elles participent à la piété, mais elles ne sont pas un but en soi, en eux-mêmes. Ce n'est pas la fin qui justifie les moyens. Non, ce que j'aime, c'est que vous deveniez des gens pieux. Pieux pourquoi? Parce que vous voulez me connaître, parce que vous acquérez la connaissance de ma personne. Donc, la piété, qu'est-ce que c'est? Mais c'est tout simplement la vertu qui nous dispose à rendre à Dieu l'honneur, le culte, la gloire qui lui sont dues par les actes extérieurs, par la pratique religieuse. Et jamais, je le crois, la piété n'a été aussi nécessaire maintenant afin de préparer le peuple pour les temps qui sont devant lui, mais aussi pour l'éternité. Que chacun se prépare dans ces pratiques-là, la connaissance de Dieu, la relation d'amour avec Dieu, afin que nous soyons armés contre la bête, contre le nombre de son nom, contre la marque de la bête, contre l'image de la bête. La connaissance de Dieu, c'est ce qui va sauver le peuple. C'est ce qui te sauvera. Mon peuple périt faute de connaissance, dit le prophète. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous à l'étude de ce thème, les 144 000 missions et privilèges. Nous avons plus parlé aujourd'hui de la relation et de la mission, et samedi, nous allons parler des privilèges des 144 000 et comment ils entrent puissamment dans la phase finale du combat de la guerre pour retrouver la nouvelle cité. Que Dieu vous bénisse.